Un mariage au premier regard qui débouche sur l'arrivée prochaine d'un bébé. Pauline et Damien, qui se sont rencontrés lors de la saison 6 du programme de M6, vont être les heureux parents d'une petite fille d'ici le début du mois de juin. En attendant, la jeune femme originaire de Marseille partage sur Instagram son quotidien de future maman, des préparatifs à l'évolution de son corps. Ce mardi 9 mai, Pauline a dévoilé une nouvelle photo de son baby bump capturé devant son miroir de la salle de bain. L'épouse de Damien, qui a fait deux fausses couches par le passé, a commenté la taille de son ventre en ajoutant sur la photo les mots Big Big. Sur Instagram, après une journée où elle s'est sentie très fatiguée, Pauline s'est à nouveau exprimée en fin de journée, pour répondre aux interrogations et réactions de ses abonnés face aux clichés publiés. Vous êtes nombreuses à m'avoir dit que mon ventre était bas. Si est-il que ça approche tout ça, a-t-elle indiqué. Mariée au premier regard 2023, découvrez les portraits des nouveaux candidats de une fille à venir pour Pauline et Damien. Pauline et Damien ont annoncé qu'ils allaient être prochainement parents le 24 décembre 2022. Parce que vous nous apportez tant d'amour, on tenait à partager cela avec vous. Voici notre cadeau de Noël, pour vous, nous allons bientôt être trois, ont lancé avec enthousiasme les amoureux, en dévoilant à leurs abonnés, en bonus, une photo de l'échographie récemment réalisée de leur bout de chou. Depuis, ils font vivre à leur communauté sur les réseaux sociaux les différentes étapes avant l'arrivée du bébé. Au mois de janvier 2023, les deux amoureux avaient notamment dévoilé, en vidéo, le sexe de leur futur enfant. Ils ont même glissé un petit indice autour du prénom de la petite fille qui viendra les combler de bonheur. Je m'arrête le 2 avril, un mois avant mon congé maternité pour profiter un peu de ma grossesse et faire la chambre de ma vie. Je veux que ma fille se sente bien chez elle à notre retour de la maternité, avait expliqué Pauline, en mars 2023. Crédit photo, capture d'écran Instagram.